Non mais Julie, tu vas pas nous faire le coup à chaque épisode? Bah, t'as dit que c'était la pause BN, hein? Non mais la pause BN, c'est la pause Breaking News. C'est pour nos clients. Toi, tu bosses. Attends, quoi? Mais déjà? Mais j'ai pas de sujet! Je sais pas moi, prends le contre-pied, fais-nous quelque chose de léger avec l'été. Fais un... tiens, un spécial diète. Ah bah pour le coup, ça va être léger, hein. J'ai rien en réserve. Attends, peut-être préparer la rentrée, se réadapter au rituel du travail, s'habituer au travail hybride. Oui, voilà. Très, très bien. En plus, c'est tout ce que demandent nos clients en ce moment. C'est très, très bien. Allez, vas-y, tourne avec ça. Par contre, la diète, elle commence maintenant. Bah c'est pas grave, ça m'est égal, de toute façon l'été a déjà commencé, c'est trop tard. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous l'aurez donc compris, aujourd'hui nous vous offrons une édition exclusive, le Breaking News, quoi vouloir toi, spécial diète. Et je vous propose de découvrir sans plus attendre ce format allégé. Quoi vouloir toi? Réinvestir les locaux. Et ça commence par un retour anticipé et très attendu dans les entreprises. Et pour exemple, l'équipe Formatis était dans les starting blocks. Je bosse. Bah, mais t'es à ma place là. Mais on est en bureau mobile. Moi, j'avais pas ce problème chez moi. Une équipe ravie de se retrouver. Dans tous les cas, ceux qui étaient fin prêts et impatients de reprendre, ce sont bien nos intervenants. Je vais écrire body. Oui, attendez. Petit couac. Hop. Celui-là. Je suis sûre que celui-là va fonctionner. Bon, pardon, excusez-moi, est-ce qu'on va changer de tactique? Super, je vois que tout le monde est aussi prêt que moi. Comme quoi, il est indispensable d'anticiper son retour au travail. Quoi vouloir toi ? Reprendre ses marques. Une chose est sûre, c'est le plaisir de retrouver les avantages qu'offre le travail. Les choses simples, comme la machine à café. Mais il n'a aucun goût ce café. Aïe, 2019. Mais c'est aussi et surtout avoir la possibilité de travailler dans les meilleures conditions. Merci beaucoup pour la synthèse de la pilote. Comme tout le monde, l'équipe Formatis est en pleine réadaptation de son environnement de travail. Un nouvel équilibre à réajuster avec cette reprise du collectif. Quoi vouloir toi ? Moduler son environnement de travail. Chez soi ou au travail, chacun y trouve son compte. Et le plus appréciable quand on retourne dans les locaux de l'entreprise est sans aucun doute de pouvoir retrouver ses collègues à la machine à café, quand le café est bon, ou de les croiser dans les couloirs. Ah ou... oh, pardon. Bah pourquoi tu fermes pas la porte? T'es plus à la maison, hein? Comme je le mentionnais, il faut trouver le juste équilibre entre ces moments en présentiel et ceux à distance. Anne, bah pourquoi tu m'appelles? Oh, pardon, j'ai plus l'habitude. Qui a dit que c'était simple de revenir en présentiel? En tout cas, ce qui était le plus attendu, c'était de pouvoir retravailler en équipe, en vrai, une façon de renforcer la productivité. Là, c'était le moment de l'icebreaker, hein, histoire de se mettre en chauffe. Eh bien, on va s'arrêter là, hein, car le Breaking News, c'est comme le retour en présentiel, ça se travaille en amont. Et le challenge de la rentrée est donc de retravailler ensemble, différemment. Car face à des situations d'hyperflexibilité au travail, vous avez plus que jamais intérêt à développer une posture qui mobilise agilité, co-construction, résilience émotionnelle, créativité, empathie et assertivité. Alors si vous aussi, vous rencontrez des problématiques pour ce retour en présentiel ou en mode hybride, dites-le nous en commentaire, dans la barre du dessous là. Tu peux descendre avec la roulette de ta souris ou en glissant vers le haut sur ton écran de téléphone. Et nous pourrons vous accompagner sur votre reprise d'activité pour être aussi efficace que nous. Merci à tous d'avoir suivi cette édition spéciale. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bel été et de bonnes vacances autour de rillettes, pâtés et saucissons. Très belle journée, au revoir. Julie, t'étais obligée de la faire, celle-là. De quoi, l'acronyme ?
Bah oui, c'est plus percutant. En plus, celui-ci est particulièrement bon et de saison. Tu veux des acronymes, c'est ça? Bon, je peux t'en donner. Quand les vacances te pressent, reprends la parodie de la sagesse. Que vienne la tendance de retrouver plaisir et sens. Quoi vouloir toi?